Salut Internet! Alors moi si je fais cette vidéo, c'est suite à une polémique qui a eu lieu, je sais pas si vous avez vu, après la sortie du jeu vidéo, Battlefield 5, qui donc a provoqué un tollé chez les aficionados de la franchise, parce qu'ils mettent en scène une femme au milieu d'hommes. Le personnage principal est une femme qui se bat au front comme les autres et qui tient une mitraillette et tout, voilà. Et du coup ça a engendré un débat, mais alors, passionné et passionnant, qui s'est soldé par... Non, elle, bah non, non, je suis pas d'accord, non, il n'y avait pas de femme. Alors j'ai eu cette conversation moi-même avec des personnes qui me sont proches et qui ne le sont plus. Donc avec des personnes qui me sont proches, on a discuté, ils me disaient non, je suis pas d'accord, il n'y avait pas de femme, c'est pas possible, on en aurait entendu parler. Ouais. On fait un documentaire sur le sujet, donc c'est pas pour rien. Ce à quoi cette personne m'a répondu, bah tu sais quoi, si t'en connais tant que ça, nomme-moi en une. Là on est dans une autre sphère, dans une autre dimension, c'est n'importe quoi. C'est ridicule, c'est ridicule, ce débat, ça ne me plaît pas. Je peux pas t'en nommer qu'une, je peux t'en nommer 10, je peux t'en nommer 20, je peux parier, je t'en nomme 1000. Ah ouais? C'est là que j'ai besoin de ton aide. J'ai peut-être été un poil présomptueuse sur le coup et là je rame un peu. Si, ami internaute, toi aussi, tu crois qu'il y a eu plus d'une femme qui a combattu pour nos droits, que ce soit partout dans le monde en fait, en France, en Asie, en Amérique centrale, en Afrique, partout. Eh bien, je t'en supplie, aide-moi! Parce que sinon, ce débat va se solder par un échec cuisant et j'en ai ras le bol. Je veux gagner ce pari et je suis sûre qu'on peut le faire. Toi, plus toi, plus toi. Plus seul, plus tout ce qui le veut. Pardon pour cette blague. Alors, ce que je te propose, c'est que tu prends ton téléphone, tu appuies sur le bouton appareil photo, qui fait aussi vidéo, c'est fantastique, tu appuies sur vidéo, tu tournes ton téléphone en façon selfie, et tu appuies, alors là c'est le moment compliqué de la manœuvre, il faut appuyer et se filmer, et tu dis le nom d'une femme combattante. Louise de Bétigny. Et tu me l'envoies avec le hashtag NameOneWoman. Pour leur montrer là, à toutes et à tous qu'il y a une des femmes qui en a et qui en aura. Et pas juste une, ok? Ça te dit? C'est là que j'ai besoin.